Celle que je vais parler tout à l'heure, Erin, c'est d'elle que je vais parler parce qu'elle est prête à tout pour la star, pour être star. Une fille qui va toujours créer des faux buzz parce qu'elle est prête à tout pour être star. C'est pas ça. Donc c'est d'elle que je vais parler. C'est pour ça. Parce que depuis là, comme je suis, j'avais la grippe, j'étais malade. Donc aujourd'hui là, ça commence un peu à aller. Donc c'est d'elle que je vais parler. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est le buzz. Elle est allée acheter le petit Burkinabé là. Parce que comme elle se plaint toujours, qu'on pirate toujours ses comptes. Soit, j'ai pas de droit sur les musiques jouées là. Parce que le gars, si chaque fois que je mets sa musique là, Facebook m'envoie toujours un message comme quoi, machin, machin. Donc c'est d'elle que je vais parler, celle-là. Tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est le buzz. Attendez, je vais vous montrer. C'est elle allée. Quand vous avez entendu que général, général, est-ce que vous avez cru que c'était un général peut-être de l'armée, de quoi, nous tous, les gens, beaucoup de gens m'ont bipé et m'ont dit que, oh, Coco, c'est grave. La déception, comme je connais sa vie. Je connais elle ne peut pas avoir une relation puisque son gigolo blanc là, avec qui elle vit là. N'est pas encore pour rentrer en bain. Ils vivent qu'ensemble. Donc, celle-là n'a pas une relation que. Elle allait au Burkina quand? Elle est rentrée quand? Qu'elle sorte les photos du Burkina? Qu'elle sorte les photos de là quand elle était, si c'est à Yamoussoukro ou c'est quoi, qu'elles sont en train de raconter? Le mensonge qu'elles sont en train de raconter là. Avec son soi-disant. On a le général Batouka, pas tout, tout. Si c'est pas tout, 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 quoi là. Donc, je venais te dire. Où est même le truc là? La fille est prête à tout. Regardez vous-même. Regardez. Tu es prête à tout pour la Starmania. Regardez. Regardez. Quand tu fais quoi? Attendez. Attendez. Oh, ça ne se voit même pas bien. Hein? Jusqu'à pleurer. Toujours pour la Starmania, ma main. Général Tutu Bachou. Quel mot? Quel mot, ma? Quel humour que tu as déjà, général Chouchou Bachou. Vraiment, la fille qui est prête à tout pour la Starmania. C'est moi qui vous dis, il n'y a rien de cela. Regardez alors, quand on cherchait même encore, attendez, je vais vous montrer. Elle pleure pour un homme. Elle pleure pour un soi-disant homme. Regardez vous-même. Attendez, vous-même, vous allez voir. Parce que quand moi j'ai vu les pleurs, quand moi, j'ai compris, parce que beaucoup de gens m'ont appelé que c'est grave, ta copine, appelle ta copine, oh, c'est grave, on l'a larguée, sûrement, elle sortait avec, ou c'est un général, on a vous appelé quoi? De l'armée. J'ai dit que, depuis quand que la fille a sorti, je sais elle avait son copain député, un vieux père qui est député là-bas au Gabon. Elle a eu le général, c'est encore quand? Parce que je sais que, avant le gigolo blanc avec qui elle vit là. Elle vivait avec un député. C'est ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle vivait avec un député. Maintenant, attendez. C'est quoi? Elle a... Là où vous devez comprendre que c'est le buzz, parce que le direct du gars, elle a mis sur son. Sur son. Elle a mis sur sa page. Elle a mis son lien de. Elle a mis le lien de son nouveau son. Le problème, c'est que. Son son ne décolle pas. Donc, elle est prête à tout pour que ce son décolle. Le son qu'elle a chanté, si c'est un ding 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 machin avec un autre, si c'est un artiste aussi, un John John, quelque chose comme ça là, parce qu'elle fait toujours le featuring avec des artistes bizarres, bizarres. Donc, elle a fait le. Voilà. Voilà l'homme qu'on pleure. Mais, genre, même moi qui suis là, que je suis pauvre là, regarde l'homme qu'on pleure. Vous avez tous cru que c'était le général n'importe. Eh, Seigneur Dieu! Regardez l'homme que quelqu'un vient sortir les morves dans Facebook pour dire que je ne vais pas te laisser, va aller au Bénin. Regardez vous-même. Regardez.
Il priait. Regarde le petit garçon que une vieille croncron vient pleurer que tu as dit que tu devais m'épouser. Regardez vous-même. Vraiment, si ce n'est pas la sorcellerie. Sorcellerie, c'est quoi? Regardez que l'homme que une vieille waka vient pleurer en plein Facebook, qu'on a barré, on l'a promis. Regardez l'enfant, si qu'on vient pleurer, que l'enfant, quelqu'un t'a promis le mariage. Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un, un monsieur, alors que c'est un bébé au lait. Un bébé au lait, que cette fille vient sortir les morves dans Facebook. Hein? Si ce n'est pas la sorcellerie, que ce n'est pas. Regardez, juste à quel bien. Quand vous. Même si c'est même le buzz, hein, le petit sister a bien lavé, propre. Toi-même là, disons-nous la vérité, si c'était même vrai que ce n'est même pas le buzz, quelqu'un peut prendre la fille là au sérieux pour se marier avec. Dites-nous, oui, disons même que ce n'est pas le buzz. Un vrai homme qui a les vraies couilles là peut prendre celle-là qu'il va mettre dans la maison. Hein? Franchement, disons-nous la vérité. Disons même que parlons vrai, parlons peu. Il n'y a que peut-être les blancs bizarres qui prennent aussi les choses bizarres. Comme les blancs aiment les choses bizarres, c'est pour cela qu'un blanc aussi peut prendre celle-là. Mais un noir ne peut pas prendre celle-là pour dire que je t'épouse. Hein? Est-ce que un blanc, un homme noir qui est vraiment comme vrai, on peut prendre l'autre là pour dire que je vais épouser? C'est vrai que les blancs qui aiment les trucs bizarres là, qui peuvent prendre l'autre là, que oui, je prends aussi. Donc jusqu'à que, franchement, regarde un petit garçon que une fille vient couler les morts. Regardez. Nous-mêmes, quand on a compris que général, général, on a cru que c'était le général de l'armée. Hein? Le buzz. Attendez, vous montrez là où elle pleure à chaudes larmes. Elle pleure à chaudes larmes. Ah, c'est comme si elle m'a enlevé là où elle pleure à chaudes larmes là. Attendez, quelqu'un m'a identifié sur son machin là. Vous m'aviez quand même. Oui. Regardez. Kenzo, viens un peu mettre le volume. Viens me mettre le volume ici. Regarde une corom-corom qui pleure pour un bébé. Laisse. Taguez-le-moi, appelez-le-moi ici. Partagez, s'il vous plaît, mettez le cœur. Je veux mon chien, excusez-moi. Garçon, tu n'as pas eu de problème de cœur ici. Tu n'as pas eu de problème de cœur. Je suis touchée, j'ai trop mal. Le général, tu vas tout, je ne te laisse pas. Quand moi j'attendais que le général, je croyais que c'était un général d'armée. Oh. Excusez-moi. Je ne savais pas que c'était un comédien. Oh. Les routes du Bénin, là. Je veux te montrer que le Gabon, le jour où tu as décidé, j'aurais même accepté si tu venais me dire que non, voilà, que tu m'informes. Que tu m'informes. Tu battu. Et ce qui me fait encore le plus mal, c'est que Mister Léo, tu étais des dames. C'est notre mystère, Léo, bien je rêve ou quoi? Je dis, elle parle de quel mystère, Léo? C'est notre mystère, Léo, qu'elle parle ou bien il y a notre mystère, Léo, à Ouagadougou là-bas. Elle parle de quel mystère, Léo? Hein? C'est notre mystère, Léo, bien vous avez mystère, Léo, à Ouagadougou. Quand on entendait que général, 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 moi j'ai cru que c'était général, vrai général que nous tous on connaît. Alors que c'était un général quelqu'un. Le voici. C'est pas fait de Bénin. C'est pas fait de Bénin. Je prie, je suis un fervent croyant. Le courant est parti. Partageons le direct. Faudrait que tout le monde voie. Je vais pas durer. Je vais être bref. Donc partageons le direct, partageons le direct. Voilà, peut-être que je risque de supprimer même le direct. Je vais éclaircir les choses. Voilà. Pour dire ça suffit.
C'est vrai que vous m'avez écrit, vous m'avez dit de ne Regarde. plus parler. Une mère comme Arrêtez de ça parler pleure, ce l'enfant soir. comme Mais ça, je vais là. faire un dernier direct et puis c'est bon. La vue continue, quoi. Voilà, donc partagez le direct. Partagez le direct. Regarde un petit bébé Allô, comme mon ça, là, partenaire, que une précieuse. grand-mère vient pleurer. Partagez le direct et puis voilà. Ok. Partagez le direct seulement. Tellement elle est riche dans sa tête. Elle a déjà allé construire la maison à Ouagadougou. Et comprenez même les choses. Je vais faire ce direct en deux étapes. Où est ta bague? Voilà. Ma bague est là, ma bague est là. Je n'aime pas porter, c'est tout. Souvent, quand je vais prier, j'enlève. Voilà. Sinon, ma bague est là. Je voulais prier, puis j'ai enlevé. Voilà. Je ne vais pas avec ça au WC. Je ne vais pas avec ça aux toilettes. Voilà. Pour respecter l'alliance, pour respecter mon mariage. Quand je vais aller aux Quel toilettes, je mariage, l'enlève. Voilà. Quand je vais prendre l'ablution, je l'enlève. Voilà. Sinon, ma bague est là. Voilà, je l'ai enlevé pour prier. Je l'ai enlevé quand je suis rentré aux toilettes. Je ne peux pas rentrer avec mon alliance aux toilettes. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux pour ma femme. Elle aussi, quand elle rentre aux toilettes, elle peut enlever. Voilà, donc de temps en temps, je l'enlève. Donc voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire qu'elle. Elle est tellement riche dans sa tête qu'elle est allée construire une maison à Ouagadougou. Qu'elle dit que la maison que le gars vit, c'est sa maison et tout, qu'elle est riche dans sa tête. Parce qu'elle elle est riche dans sa tête. Tout ce qu'elle veut montrer à Facebook, c'est dans sa tête. Parce que moi, je vous dis, depuis des années, le fait que vous dites que cette fille n'a rien. Rien de chez rien. Les voitures, les machines, ce n'est jamais pour elle. Les voitures, une fois que tu as déjà le permis, je vous avais déjà dit qu'elle a l'un de ses amis qui est ici, c'est en Angleterre, qui avait la voiture Uber, qu'elle montait, descendait, et son gigolo blanc là. Un garagiste, c'est un mécanicien, il arrange les voitures. Donc, vous-même, vous connaissez comment ça se passe avec les mécaniciens. Quelqu'un peut venir laisser sa voiture pendant peut-être 2 jours. Tu montes d'abord, tu descends d'abord avec cette voiture parce que son blanc là, c'est un mécanicien. C'est un mécanicien. Le blanc là, le petit blanc que vous avez vu dans Facebook là, c'est un mécanicien. Donc, il a les voitures à sa portée à tout moment. Il a les voitures à sa portée à tout moment. Oui, les gens lui laissent les voitures pour dépanner et tout. Même comme lui, elle-même avait dit que quand lui, quelqu'un vient donner la voiture pour qu'il arrange, il lui gâte plus tôt. Qu'il n'a jamais vu le genre de poste que le petit blanc là a. Que lui gâte plus tôt les voitures des gens. Donc c'est un mécanicien. Kenzo, je n'aime pas ça. Donc c'est ce qu'elle venait dire, que les histoires de buzz machin là, je vous ai dit depuis l'autre jour que c'est le buzz. C'est quelqu'un que elle a sorti son son, ça ne décolle pas. Elle est obligée d'aller payer, parce qu'elle a payé le petit garçon aussi, pour faire un buzz arrangé. Elle s'est arrangée avec l'enfant aussi pour faire le buzz arrangé. Parce qu'elle veut qu'on parle d'elle, parce qu'on l'avait déjà oubliée. Personne n'était encore au courant d'elle, on l'a oubliée. Elle veut donc faire en sorte qu'on parle pour que les gens aillent s'abonner sur sa page. Voilà son mode opératoire. Donc, elle veut que les gens s'abonnent. Et après, elle va commencer à vous dire que oh, on m'a signalé mes comptes. On signale tous les jours, on signale seulement ses comptes. La fille a clashé. Elle a voulu clasher Créole. Ça n'a pas donné. Créole ne l'a même pas calculé. Elle est partie chez Chanel là-bas. On ne l'a même pas calculé là-bas. Elle est quittée. Elle est partie chez les Ivoiriens là-bas. Elle a tout fait là-bas. Elle a clashé Aya matin, midi, soir. Aya, elle a d'abord créé un faux buzz avec Aya parce que Aya sort avec son copain et tout. À la fin, c'est sorti que c'était le buzz. C'est elle-même qui est revenue dire que on doit lui remettre son argent parce que le buzz n'a pas donné comme ça se devait parce que c'est Apoutchou qui était allé lui demander l'argent. Elle a envoyé l'argent pour que le buzz soit comme ça, c'est elle-même. Parce que c'est comme ça qu'elle fait toujours ces choses. Et elle va revenir vous dire que le gars, s'il n'a pas bien fait le buzz comme ça se devait, il faut que le gars lui rembourse l'argent parce que sa tête n'est pas bien. Sa tête n'est pas bien. Parce que ce qu'elle est en train de faire avec ce gars-ci là, si, parce qu'il faudrait, parce que leur buzz, c'est quoi? C'est il faut que quand le gars commence à l'insulter comme ça, d'autres personnes doivent venir intervenir, la défendre et tout. Comme je vois, il y a une fille qui est venue la défendre, que machin, que nous sommes des femmes. C'est des conneries. C'est ce qu'elle veut. Donc, leur but, c'est que ça prenne et que d'autres personnes viennent la défendre, d'autres viennent défendre le gars. Et là, ça va prendre. Les gens vont aller s'abonner dans sa page, que c'est même qui, il s'agit même de qui. C'est comme ça. C'est son plan, c'est son mode opératoire. Comme
Elle a sorti le machin qu'elle a sorti, la personne ne partage, personne n'est au courant d'elle. Il fallait créer un buzz, qu'elle vienne pleurer à chaud de l'âme avec les morts, qu'elle a elle, la déception. Viens même faire le buzz avec un homme de ta carrure, que tu dis que, comme tu dis que tu es grande, là, tu es une vraie femme là. Tu viens même nous montrer un vrai gars aussi qui est là, que, avec des pieds sur terre. Quand tu disais général, général, on croyait qu'on va voir un général sortir avec. Non. Tu viens, tu sors seulement que c'est un dessin, un tintin, le petit tintin, c'est là que toi, tu viens pleurer, qu'on t'a laissé tomber. Ah, maman, jusqu'à quand tu vas vouloir la stamania? Jusqu'à quand? Tu es venu me chercher l'amitié. On est devenu amis. C'est comme ça que tu as commencé à dire que, oh, enlève ta photo. Tu mets ma photo. Pardon, ma, pour que les choses soient connues au sein des Camerounaises. J'étais fait, tu es venu. Tout le monde te connaissait. Les gens se sont abonnés sur ta page. Les gens se sont abonnés sur ta page. Ce n'est plus ça. Tu as commencé à me dire que faisons le buzz. Ma, viens, insulte-moi, moi aussi, on fait le buzz. Je t'ai dit que non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Comme tu as vu que j'ai refusé toutes tes propositions de tes buzz, tu as commencé à m'insulter en vrai. Oui, venir créer des choses sur moi en vrai. Comment tu m'as envoyé les... Tu ne m'as rien envoyé, mamie. Parce que là où tu passes chercher ton buzz là-bas, tu donnes beaucoup d'argent là-bas. Chez Apoutou là-bas, tu avais donné combien? Chez moi, tu es venu dire que tu m'avais envoyé 50 000. Avec tout ce que j'avais fait pour toi là, c'était beaucoup, mamie. Hein? Avec tout ce que j'avais fait pour toi là, les 50 000 que tu pleures tous les jours, que tu m'avais envoyé l'argent, c'était beaucoup. Avec tout ce que j'ai fait, tu as eu combien d'abonnés sur ta page grâce à moi? Hein? Tu as eu combien de connexions sur ta page grâce à moi? Donc, quand tu viens pleurer, quand tu venais pleurer que oh, je t'ai envoyé mon argent de la sueur de mon front, tu m'as envoyé ton argent que je t'avais demandé quel argent? Hein? Tu m'as envoyé ton argent, comme tu dis que tu m'as envoyé l'argent. L'argent que tu m'avais envoyé, c'était pourquoi? Je t'avais demandé. Je ne t'avais rien demandé. C'est comme ça, toi, tu as dit que oh, tellement tu utilises ta connexion et tout, mais jusque-là, tu as pris ça comme si c'était, tu venais me faire le sabotage, que je t'avais escroqué. On peut t'escroquer. Hmm? Tu as même vu toutes les personnes que tu demandes de peut-être partager tes clips là-dessus. Elles partagent tes clips là pour rien. Mais ça, tu leur donnes l'argent. Je t'avais déjà demandé l'argent un jour. Toi-même, tu as pris ton exercice de m'envoyer 50 ou 50 000. Je ne me rappelle même plus ce que tu m'avais envoyé. Et la période là, tu étais même dans la galère te chopait. Tu as été en galère. Tu es parti dans tel bureau. Tu es parti dans un bureau là-bas. On t'a donné 200 000, tu es venu m'envoyer 50 000 jusqu'à que tu as commencé à me... Les gens ont commencé à me faire la jalousie. Que oh, c'est ta personne Thierry. Oui, elle fait le buzz. Elle dit qu'elle pleure un colonel, le général. Quand moi-même j'ai compris que général, je croyais que c'était un général, que tu vas voir l'autorité venir là comme vrai. Quand je découvre qui on appelle général, maman, malgré que j'étais malade, la maladie est finie, j'ai éclaté un rire. Voilà son général. Voilà son général ici. Voilà son général. Quand on vous dit que c'est le buzz, voilà ça qu'elle a mis sur sa page, elle chante nous. Voilà son général. Regardez le petit enfant que le gars s'y pleure, la fille s'y pleure. Bonjour ma tatana. Je vais parler de ça. Et puis en deuxième étape, maintenant, je vais parler de cette Jessie-là. Voilà. Donc, partagez le direct. On va aller... Voilà son mari qui pleure depuis l'autre jour. Ok. Déjà, il faut que j'explique une chose. Moi, avant de devenir le général Chouchoubachou, avant de devenir un comédien, avant de devenir humoriste, avant de devenir un influenceur, avant de devenir un artiste... Hé, hey, Seigneur, voilà le mari que... Et quand j'étais Abdoul Kéré, c'était en quelle année? C'était en 2016-2017. C'est en 2017 que j'ai commencé la comédie. C'est vers fin 2017 que j'ai commencé la comédie. Oui, toi tu ne veux pas le buzz, comme tu dis. Elle est venue te voir pour faire le buzz parce qu'elle veut les abonnés. Donc, soyons d'accord sur ce point. Oui, tout ce que tu racontes là, tu es comédien depuis, on sait. Tu es comédien, et pour dire vrai, jusqu'à hier, moi, je ne te connaissais pas. Je ne connaissais même pas qu'il y avait un comédien au nom de Général Chouchouchou Bachou, comme vous dites là. Donc, grâce à elle aussi, d'autres personnes t'ont connu. Oui, dis que vous avez créé votre buzz, et dans votre buzz, c'est qu'elle t'a payé.
tu es venu la laver comme un poisson pourri. Même si c'est le buzz, tu l'as quand même lavé comme un poisson pourri. Tu as quand même dit les vérités. C'est qu'elle est. Voilà, c'est-à-dire, quand je dis un coup, ça veut dire que ça a véritablement commencé parce que j'ai commencé à me nourrir de ça. Donc, avant d'être le général Tchouchoubatchou, j'étais Abdoul Kéré. Et quand j'étais Abdoul Kéré, tout le monde me connaissait en tant qu'Abdoul Kéré. Savent ce que je faisais sur Facebook. Avant d'être le général Kenzo, j'étais Abdoul Kéré. Mon compte Facebook, c'était Abdelaziz Kéré. Ceux qui me connaissent savent ce que je faisais. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je faisais avant d'être le général Tchouchoubatchou? Je faisais des statues. Je cherche la main que le gars a à Ouagadougou. Elle est au Gabon. Il faut être bête pour croire ce qu'elles sont en train de faire là. Qu'elles sortent une photo là où elle est à Ouagadougou, que le gars sorte aussi une photo là où elles sont ensemble. Qu'elles arrêtent de tromper les gens. Oh, ma chaîne s'est montée, l'autre vient sortir les pleurs. Au prix de quoi? Mamie, je venais te donner un conseil que va travaille plus. Et arrête tes clashs à deux balles là. Tes buzz arrangés là qui vont plutôt détruire ton image. Parce que même le buzz que tu as arrangé avec ce gars, ça détruit ton image parce qu'il t'a lavé comme le poisson pourri. Il a dit qu'il ne veut pas une femme qui est toujours nue. Et effectivement, il a raison. Aucun homme n'aimerait pas avoir une femme qui s'habille, qui poste toujours les photos à moitié nue. Donc, tes buzz arrangés là, ça n'est pas à ta faveur. Ça fait plutôt qu'aucun vrai homme ne peut s'approcher de toi. Ta manière ne peut pas décoller parce que rien. Pourquoi tes collègues des autres petites filles là, la petite fille la créole n'a pas fait tous ces buzz là pour être célèbre comme elle est là? Pose-toi des questions. Toi, tu veux seulement créer des buzz, les buzz qui vont qu'on va te dénigrer, qu'on va t'insulter, que tout le monde va voir que tu es une pute et tout et tout. Donc, il faut changer ta manière. Si tu vois que tu as composé un son, parce que même ton son que tu dis, ton son que je mettais souvent là, on m'a dit ce que tu racontes. Tu parles que sexe, 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 sexe. Ce n'est pas la musique là-bas. Change ton style de musique, ma chérie. Change ton style de musique. Peut-être si tu changes ton... Même le ding, 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 ding que tu as fait là, ça n'a pas de sens. On va danser l'autre là comment? Ça n'a pas de sens. Change ton style de musique. Peut-être si tu changes ton style de musique, ça va prendre. Tes musiques ne prennent pas parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je mettais aussi tes musiques là parce que tu étais ma personne. Je disais aussi que tu écoutais, écoutais, écoutais. Oui, il n'y a que ça là. Il n'y a que ta musique-ci là. Ça là qui est bien. Attendez. En dehors de ça là. Et l'autre là, l'autre son là, c'est même quand tu veux aller dormir, tu vas aller au lit. Oui, que tu veux. Attendez, je vais un peu. Cette fille là, je lui donnais trop de conseils. Hein. Elle est seulement qu'elle est bête. C'est une personne qui est née, qu'elle est prête à tout pour la stamania. Dernièrement, elle a envoyé une dame m'écrit. Une dame m'écrit, j'ai bloqué la femme là. Voilà le seul morceau qui est bien en toi. Mais c'est seulement pour les amoureux même. Voilà le seul morceau qui est un peu bien que peut-être tu as un peu chanté. Ce n'est que ça. Ça là c'est quoi? Attends un peu. Attendez un peu mes gens. L'autre ici c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Change ton style de musique. Je te fais la pub pour rien. Je te demande rien. L'autre si on va danser comment? Dites-moi un peu, on danse l'autre si comment? Bon. On danse l'autre si que tu chantes là. On va danser ça comment? Change donc ton style de musique. Oui, l'autre si. Biche, biche. On dit que si c'est sexe, sexe, sexe. J'aime quoi, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est les réseaux? Thank you.
vous-même. Regardez comment quelqu'un est toujours nu. Donc, c'est ce que change ton style de musique, ma chérie. Là, ça va prendre. Le temps que tu changes seulement pour les fesses, pour le sexe, pour tout ça, là, ça ne peut pas prendre. Donc, essaie de revoir, essaie de dormir comme ça. Ou bien tu cherches, parce que dans votre monde, là, il y a ceux qui écrivent et vous, vous partez chanter. Cherche quelqu'un qui peut bien t'écrire des bons trucs pour que tu puisses sortir. Là, ça va prendre. Mais tant que tu vas faire sexe, le porno, ça va prendre et ça va aller où? Donc, il faut changer ton style de musique. Là, ça va prendre. Et tes petits buzz à la con, là, ça te dénigre plutôt. Plus, ça ne te lance pas. Ça ne te lance pas. C'est ce qu'elle venait te donner comme conseil, la mère. Ta mère vient te donner le conseil. Comme tu m'appelles, c'est ma. Oui, ta mère vient te donner le conseil aujourd'hui qu'arrête d'aller dépenser des petites miettes là pour aller acheter les gens pour te faire le buzz, croyant que, oui, les gens vont courir, venir voir comment tu insultes, comment tu pleures. Mais après, quand ça va passer, les gens vont encore se désabonner. Après, tu vas dire qu'on signale tes comptes, on signale parce que les gens viennent là pour, parce que tu es en train de faire ton show. Et après ton show, les gens se désabonnent. Donc, c'est ce qu'elle venait te dire. Poste-nous les photos de Ouagadougou avec ton Gérela Tchou Batchou. Et ta soi-disant grossesse que tu as enlevée. Toujours dans le mensonge, toujours dans les faux trucs. Tellement je te connais que quand tu inventes tes trucs là, je ris seulement. Depuis lo que je l'ai dit aux gens qui ont dit, donc c'est un buzz qu'elle allait s'arranger, elle allait envoyer peut-être même 100 000 au gars là, de faire le buzz avec elle. Depuis que tu es né, le seul pays que tu es parti, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire quand tu étais allé chercher si c'est Sultan Tiesco, le sultan là-bas. Et que tu as insulté Tiesco. Je ne sais, connaissais, je ne savais pas que Tiesco était même. C'est un gars qui pouvait même avoir un pain chargé. Parce que tellement tu m'as dit que le gars là, c'est un cougar comme les pygmées. Il est d'abord pauvre, il n'a rien. Tu as dénigré ce gars. Quand je vois le gars là, que le gars là a remis ses 3 millions à sa soeur d'aller à Dubaï, il a dit que c'est le même Tiesco que la fille qui me parlait, ou bien c'est l'autre, un autre Tiesco. Tiesco, que tu m'as dit que le Tiesco, c'est un foiré, c'est un va-nu-pied, c'est un gars qu'il est sale. La fille là connaît dénigrer les gens. Elle m'a dit que Tiesco a bouffé ses 100 000. Alors que Tiesco a donné, nous tous on a vu comment Tiesco a donné ses 5 millions à sa soeur d'aller faire le commerce à Dubaï. Tu es venu me dire que Tiesco c'est un malade, c'est un va-nu-pied, il n'a rien. C'est grâce à toi, tu as fait ce combien de jours en Côte d'Ivoire. C'est toi qui dépensais. C'est comme ça que le seul. Tu es venu d'ailleurs dans deux pays, Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tu es arrivé ici au Cameroun. Qui t'a logé? Qui t'a nourri? Oui. Après, tu as commencé à ça. Parce que c'est comme ça qu'elle est amoureuse. Hein. Dès qu'elle est arrivée aussi au Cameroun, elle est tombée amoureuse de Kiki. Alors que Kiki était lui mariée. Elle est tombée amoureuse de Kiki. Après, elle a dit qu'elle veut déjà sortir la marque. Avant que de sortir son machin, les trucs, elle n'est pas imprimé dans les librairies. Là. Dans les, on appelle ça comment? Elle avait vu Kiki pour que Kiki. Une artiste en Bracatala Royale. Une artiste gabonaise Bracata qui était venue me chercher l'amitié. Jusqu'à qu'elle est venue me clasher là-bas à Facebook, jusqu'à sûrement quand on me parle d'elle, elle va encore m'insulter. Même si tu m'insultes, elle ne veut même pas te répondre. Je venais seulement dire aux gens que ce que tu fais là, c'est un faux buzz. Et ton buzz là, quand on te dénigre, on te, tu es ridicule. Oui, même si tu sors, tu dis que oh, la vieille du Cameroun là, oui, j'accepte, je suis vieille. Toi, tu es jeune, mais tu es plus vieille que moi parce que tu es là, tu portes les seins, les faux seins. Tu n'as même pas de poitrine, tu n'as rien. Montre-toi sans fond de teint parce que tu es tellement moche avec des veines partout. Tu es moche, tellement moche. On te voit dans le téléphone comme ça, on croit que tu es belle alors que tu es une laide chose. Pourquoi on t'appelle? Quand on t'appelait en vidéo, tu te cachais. Tu te cachais. Maintenant, on t'a mis en confiance que non, ma chérie, nous voilà, nous on t'appelle en vidéo. Nous on n'a même pas rien, même le maquillage. La fille là, je vous dis que cette fille était que quand on l'appelle en vidéo. Elle veut d'abord se pomponner le visage. On dit que, mais c'est même comment on est entre femmes, toi, tu veux te pomponner, tu veux impressionner qui parmi nous, là. Le seul jour qu'on l'avait, maman, et la fille a de ses crucs. Un jour, on l'appelle, voilà, l'abcès qui est au milieu de son nez. Comme ça, comme le... Eh, moi-même, je fais souvent des choses, où je prends même souvent des gens d'amis, si, où est... Aïe!
Maman, quand on la voit dans le téléphone, elle sort là-bas, on voit le sus et l'abcès qui est au milieu de son visage. On dit, c'est pas possible, ça, c'est quoi ça? C'est le vampire. Merde, la fille est prête. Je vous dis que la fille est prête à tout pour être pour la Starmania. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Va aussi dormir dans un cimetière, comme tu m'as dit que les autres dorment qu'au cimetière, pour que ça prenne. Arrête, tu accuses les autres alors que toi tu fais pire que eux. Mais même jusqu'à là, tu fais, mais ça ne prend pas. Hein? Ça ne prend pas. C'est bien beau de dire que l'autre fait ceci. Fais aussi comme il fait pour que ça puisse prendre. Avant que les autres font, ils font même d'abord quand même de la bonne musique que nous on aime. Hein? Avant que les autres partent dormir au cimetière, mais quand ils sortent même, toi malgré que tu dors même au cimetière, ça n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Kenzo? Ouais, mon fils. Regarde-moi quelqu'un. Voilà. Toi-même, regarde alors ta musique. Regarde toi-même ta musique. Tu es là comme une sorcière qui sort et regarde. C'est quoi ça? Je te fais la pub. Bon, la voici. Elle veut être star. Rendons la star. Regardez, on va danser le coup si comment. Les gens, elles vous laissent. Voilà sa musique. Elle fait le buzz pour que le son s'y prenne. Dites-moi alors. Regardez. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Et moi, je suis même malade. Je suis même d'abord moi grippée depuis. Ah, la lumière est revenue. Je suis moi d'abord grippée. Donc, je venais te dire que ma petite fille, change de rythme. Là, tu vas prendre le temps. Et arrête d'insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Oui. Arrête d'insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Bon, bonne journée.